Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour l'éveil 2 étoiles d'Asura. Donc on va aller donc faire son épreuve. Bon bah du coup, hein, spoiler alerte, il y aura que le sur les trois objectifs spécifiques que le dernier de rempli. Voilà, hein, soyez. Sachez-le, hein. Pas de surprise là-dessus. Où suis-je? Oh, je vois, Asura. C'est toi qui m'as amené ici, je me trompe? Ah ah, évidemment. Qui d'autre? Allez, Laswell, c'est le moment de tenir ta promesse. Le combat est notre moyen de communiquer. Et c'est avec lui que je compte explorer ce que tu caches au plus profond de ton cœur. Nous avons tous une face cachée. Les miennes sont juste visibles aux yeux de tous. Et toi, que caches-tu d'autre au fond de toi? Montre-moi ce que tu n'oserais jamais dévoiler à personne. Et si tu penses que cela suffira pour me vaincre, dans ce cas, je vais te montrer ce que peu de personnes avant toi ont eu la chance de voir. Alors. Alors, du coup, vous commencez à connaître la mécanique. Vous commencez. Vous l'avez déjà vu la fois précédente, plutôt, mais on est reparti. Bon, vu que c'est un 20 de gain de puissance, de difficulté, je pense que ça devrait pas être trop compliqué, mais. Hop! Hop. Ok, du coup il y a un petit résiste. Donc ça, ça. Et... parce que du coup ça a des debuffs divers et variés. Là on va jouer sur du coup la lumière. Et du coup, j'ai pas besoin de m'inquiéter outre mesure. Ouh, ça a du mal à Chain. Le problème, c'est que du coup, en vert, je pense que c'est que je peux pas dispel, donc compliqué ça, cette histoire. Et oui, il a vu qu'il a sa réduc. Ouais, pas foufou, hein.
Ok, d'accord. Donc ça, je pouvais pas dispel. Ok. Le reste, oui. C'est ouf. C'est ça. Ça. Bon, est-ce que ça va se remettre le boost psy, d'accord? Ok, c'est booster la psy, mais pas le... Ok, ça marche. Donc du coup... Hein, comment ça s'est boosté la résistance lumière? Ah oui. J'ai encore les Ambulite au moins. Ah oui, encore un tour. Pourquoi je fais ce mono? Non, pas mono, pas mono, triple là. Alors. Ah ça, faut attendre encore un tour, mais ça. Ah pardon, la jauge j'ai pas rempli, excusez-moi. Ok, du 3 millions, ça c'est bien. Ça, un tour. Ouais, donc ça va. Ok, déjà c'est mieux. Dans ces buffs. Après, ok, ça s'est remis l'imbu. Ok, c'est bon. Ok, ça c'est bon. Dans l'idée, de toute façon. Non, moi j'ai plus. On est d'accord que j'ai plus l'imbu élémentaire. Oui. Alors attendez, qu'est-ce que... voilà, j'en réfléchis. Alors, réduit les dégâts, oui. J'ai les boosts défensifs. Les boosts défensifs, mais pas offensifs. Donc ça, on va mettre des... Tac, ça. Et on va remettre un petit peu ça.
Ok. Bon, c'est bon. Ah, ça s'est remis les buts. Oui, c'est quoi les objectifs d'ailleurs? Feu, foudre, terre, lumière. Je crois qu'il n'y a que la terre qui me manque dans le panel. Voilà, comme ça, moi. J'ai le panel complet. Ça. Je suis en train de chercher. Le triple ça. Alors, si j'avais moyen de chain mieux, forcément, je pense que le combat serait fini, mais au moins. Tac, 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 tac. Oups. Une catastrophe le chain là. Ah si, ça a quand même bien chain. Oui, j'ai tenté un truc et on est d'accord. Alors attendez. Je regarde ce que j'ai à dispo. Alors. Alors, on va tenter ça. J'y crois absolument pas, mais... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Mais, au moins, on a vu les possibilités. Peut passer. Alors, je crois que celui-ci, on peut pas le dispel, Zéza, je crois. Ouais, celui-ci, on peut pas. On va essayer d'être plus efficace dans les tours. Je sais pas si les altérations d'état comptent. On va rester comme ça. Chaussure de l'abandon, ok.
Là, on va faire ça. Ça. Et ça. Faut que je alors triple lotus, donc d'abord le raise, ensuite le mother. Et l'imbu. Alors c'est la version la plus viable à faire, j'en sais rien, mais... Est-ce que... Ok, ça... Ok, ça, ça marche. Alors... Ressuscite et restaure... Mother... C'est triple, on a dit, oh là là. Alors, est-ce que... C'est bon, ça passe. Ah non, ça passe pas. Ça passe plus! Ça passe plus. Ça passe plus, je crois. Alors, attendez. On vérifie un truc. Le dispel. Ok. Ok, ça garde ces trucs-là. Très bien. Voilà, il me... Quoi? C'est quoi? Mais c'est combien de pourcents là de debuff que ça a mis? 300? C'est ça? C'est ça a mis une réduction de 300%? Est-ce que j'ai des trucs de dispel hein, sur moi pour le groupe? Eh ben génial. Ouais, je crois que... Je crois qu'il aurait fallu faire différemment. En fait, il faut éviter de la faire tomber sous les 20%, je crois. Je sais pas, on va voir. Ouf. C'est bon, ça tient. Allez, rien à foutre.
On attend comme ça. C'est bon, ça passe. Voilà, il fallait pas être trop se précipiter. Eh ben, tu m'as encore battu. Ah, tu es vraiment un homme exceptionnel. Quoi qu'il en soit, j'ai enfin vu ce que tu caches dans ton cœur. J'y ai vu de la peur et des doutes. Je vis avec un lourd fardeau, c'est vrai. Cela doit sûrement se ressentir dans ma façon de me battre. Mais je... Voyons, ne fais pas cette tête. Tout le monde porte sa croix. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. J'apprécie simplement de connaître enfin cette part de toi. Tu dois apprendre à te connaître et à faire face à tes démons. C'est seulement à ce prix que tu pourras évoluer. Un peu comme moi. Et voilà, Asura a évolué. Fantastique, tu commences à comprendre. Donc, si je comprends bien, il faut que j'apprenne à me connaître pour révéler ta véritable puissance. C'est cela. Du coup, ben, en soi, bien entendu, la terre, j'aurais pu le caler à un moment donné en vrai, mais bon, j'aurais pu taper terre à un moment donné avec Rain au lieu de rien faire. Bon, c'est pas grave. Et ben voilà, ça aura 2 étoiles obtenues. Et donc du coup, c'est sur ça que je vous laisse. Et je vous retrouverai bientôt pour d'autres aventures sur Bravegus.